pendant une semaine ou deux. Allez, c'est Christian Fazino qui donc lance les débats de cette grande finale. On est au même endroit. L'homme aux 4 victoires au Masters. Allez, Jérémy. Il avait donc dit, voilà, annoncé hein, que. Après Nevers, il mettrait la flèche. Et bien voilà, il poursuit un petit peu l'aventure sur cet été 2021. Et pourquoi pas le finir de la plus belle des manières cet été. Ah ben maintenant, ils ont quasiment une chance sur deux. C'est ça. Ça regarde bien. Alors après, j'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec David Rivera, qui manifestement l'aurait quand même poussé un petit peu à revenir sur sa décision. Ça roule, hein ? Ouais, ça roule, hein, ça va vite. Hein. Ça va vite. Hein ? Vous avez l'habitude, bien sûr, hein, de retrouver Mika Boneto, Jérémy Fernandez et David Riviera au sein d'une même partie. Allez, un trio habitué à jouer ensemble. Et le, voilà, le grand Mendes. Ah ouais. Allez, et bien, il va accompagner ses partenaires. Hein, et au cas où ça tournerait un petit peu au vinaigre. Eh ben, il faut qu'il soit dans les starting blocks parce qu'il faudra rentrer. Bravo. Bien joué, Ludo. Bien joué. Ah, il a fait de très, très belles choses hein, face à l'équipe de Dylan Rocher, la Ludo Montoro, David Rivera passif dans ce début de finale. Bravo, Mika. Super. Bien tiré, c'est frappé. Bien. Alors, j'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec Mickaël Boneto qui, pendant cette petite pause là, j'ai essayé de lui expliquer que c'était quand même pas facile de jamais manquer de boule. Il m'a dit, mais là, si je manque, je dirai rien. Là, j'ai vu que ça le démangeait un peu, même s'il n'a pas manqué, mais. Comme il n'a pas fait un carreau, il a l'air bien satisfait. Il a le sang chaud, Mika Boneto. Ah, j'ai pas monté. Un peu long, ouais. Ouais. C'est ça. Il a bien résumé monté, la situation. Ah, ouais, j'ai vu, un peu de hauteur. Hein, manque un peu de hauteur. Plus loin, il m'a monté. Et on le disait en préambule, hein, donc aller remporter un troisième titre consécutif, ce serait une première, hein, une performance remarquable, bien entendu. Pas bien joué, Kevin. Avec trois équipes différentes. Pas compliqué, là. Ouais, bien celle-là. En plus, vous avez raison, ouais, bien sûr. Et j'ai pris la de suite à descendre après. Équipe Wildcard, donc invitée, tout rapidement. Simplement, de la part des organisateurs, il y a deux ans de cela. Ils ont fait le bon choix, hein, parce que s'ils avaient fait le mauvais choix, déjà, la Wildcard, elle n'aurait pas été en demi. Eh oui, quelle a posé. Allez, Mika, bien sûr, il l'a poussé encore. Allez, Kevin Malbec. Allez, Mika. Qui nous a offert une superbe partie en demi. Allez, pousse-la, Mika. Bravo, Mika. Super. Bien. On voit qu'il fait la bouille, là. Enfin, 2 sur 2, première main. Tiens, il faut que je regarde mes pieds, ils sont justes et beaucoup. Allez, Kev. Il faut que je regarde mes pieds. Oui, ça c'est vrai. Mais il faut penser à regarder un peu la boule. Allez. Allez, joue mieux que moi. Je joue en deux. Allez, il est bien en tout cas. Il est bien rentré dans sa partie. C'est tapé deux fois. Un nouveau sociétaire du CAS de Nice. Dans l'axe du bouchon. Il y a des victoires un petit peu partout hein, ce qui concerne les Masters là, sur cette finale. À part évidemment les deux néophytes, hein, David Rivera et Jérémy Fernandez qui prennent part pour la première fois. Vous me direz, ça peut être un essai. Pour un essai, ça peut être un coup de maître. Pour sa première, ça pourrait être pas mal. Exactement. Bien, Christophe. Bravo. Bien. Allez, Christophe. Chaud. Dès la première, belle. Les photos, des flashs. Un flash sera à 3 mètres. Si vous êtes assis dans la main là-haut, ça ne sert à rien. Allez, on ne sait pas. Donc, évitez de flasher, s'il vous plaît, parce qu'en revanche, ça dérange les joueurs. Merci. Ça, c'est une des remarques préférées que j'apprécie.
notre speaker Marc Alexandre qui recadre tout de suite les spectateurs. Voilà, bravo, qui prend des photos avec les flashs. Un flash, ça porte à 3 mètres. On n'est pas obligé de le savoir. Bon, lui, il le sait, tant mieux. Mais c'est vrai qu'à part gêner les joueurs, finalement, quand on est à 25 ou 30 mètres, ça sert à rien. C'est pas grand-chose, vous avez raison. Bon, en attendant, Christophe Sario, lui, il a embouchonné. Plus ou moins du bon côté. Ça dépend si ça bouge ou pas. Si ça bouge un peu, ça va l'arranger. Si ça bouge beaucoup, un peu moins. Parce que la noire qui est complètement au bord à droite là-bas, elle n'est pas... Bravo. Tiens, petit palais, il y en a deux, il n'y a rien qui a bougé. Et Jérémy Fernandez qui va se retrouver avec une boule importante dès la première main, parce que c'est toujours important de bien démarrer ce genre de partie. Allez. Finale des Masters, c'est pas une partie comme une autre. Allez, Chris. Alors, on voit toute la tension importée par Christian Fasino. Ah, c'est bravo! Ouais, c'est bien. Joué. Allez, je gêne de rien, Jérémy. Hein. Allez, ils auront poussé jusqu'au bout. Allez, ouais. Le bouchon a légèrement. Allez, essaye de la pousser. Allez, il a fait 3 mm, donc il faut surtout pas oublier de le marquer. Derrière. Et c'est sauté. Tout juste, et ils vont laisser l'ouverture du score à l'adversaire, à l'équipe wildcard. Ludo Montoro tout heureux très certainement et ses partenaires d'ouvrir tout simplement le score. Quelle finale hein. Et Max, encore une fois. Quelle finale encore pour cet homme. Bravo. Je crois qu'il joue là 22e Masters, on en est à la 22e édition. C'est-à-dire que lui en aurait raté une quoi sur la double décennie. Il y a deux joueurs de mémoire qui ont fait toutes les éditions. C'est les deux Fifi. Ah bah oui, bien sûr. Allez Ludo. Les Fifis. Allez, fais-nous un petit truc Ludo. Allez Ludo. Il y a que ça a été en 2000, donc cette année. Ouais, super. On le rappelle. Allez Ludo, essaye de rentrer moins sur l'autre. Par Ludo Montoro, justement. Allez, dans la petite plaque et là. Ses partenaires. Il y avait allez Ludo, fais un petit tour. C'était toi, Allo Masters, hein, dans l'équipe de Dylan Rocher, des Fifi et de Stéphane Robineau, qui était donc le tenant du titre de ce Quatuor. Il est tombé face aux 9 étoiles de l'équipe Montoro. Oh, un petit joker. Oh. Ils avaient décidé de. Ils avaient décidé de pointer pour ne pas prendre de risque parce qu'elle était en contre. Et un petit joker de Ludo Montoro parce qu'il était quand même bien un petit peu long. Si je ne touche pas, il avait perdu. Si je savais bien, je savais bien la tirer, on ne sait pas, mais elles sont bien en face les deux. Il n'a pas bougé le bouchon ? Non. Non, non. Allez, Michael. Allez, Mika ! Allez, n'aie pas peur du bouchon de toute façon. Hein. Allez, évidemment, ils sont nombreux à avoir fait le déplacement depuis Salon de Provence et c'est... Et ses environs pour supporter la version des Bouches du Rhône. Oh là 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 là! Ah bah celui-ci il est magnifique hein! Ouais. Allez, commence à y avoir un peu de sourire dans les yeux là! Quelle courbe elle avait celle-là! Ça y est, il a l'œil un peu plus rieur, Mika Bonetto. Pour cause, celle-là elle est belle! Oh, l'effet en l'air. Allez, gros essaye. Allez. Allez, là, c'est un drôle de challenge. Là, pour. Sauf sérieux, il y en a deux. Parce qu'il y en a deux bons. Hein, il y en a deux bons. Hein, alors là. Oh, oh là 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 là. Déjà, il en a coupé un. Hein, c'était pas parti spécialement pour ça. Moi je pense qu'il a... Alors peut-être même qu'il a gagné d'ailleurs. Hein, mais... Gagné vous voyez ou coupé celui ouais. Je sais pas. Un minima ouais. Je sais pas trop, alors, en tirant bien, Michael Bonetto, des fois il peut faire Mika, une espèce ça de. Ça peut bien se passer des fois. Hein, un, voilà, c'est ça, un strike. Allez, en tirant bien, les deux blanches peuvent sortir. La noire peut rester parce qu'elle peut être bloquée par la blanche qui est derrière. Oh, on va pas tarder à savoir. Deux.
Ah, c'est un petit peu court. Il est court. Et alors je ne ramasse pas une. Alors, est-ce qu'on laisse un point? Parce que tous les joueurs ont l'air OK. Non, moi, ça oui, c'est plus cher pour Montoro. Hein, ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. Deux coups de réussite. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Est-ce qu'il leur permet quand même de continuer encore, hein, d'avancer avec ce point supplémentaire. Les voici donc à la mi-partie. Ça avance doucement, mais sûrement. Après quasiment une heure de jeu. Ah, on est peut-être parti pour un marathon. On n'est pas à New York. Non, c'est ce week-end le marathon de New York. Ah, je ne sais pas du tout. Ah, d'accord. Je me suis dit peut-être vous étiez au fait. Je crois qu'il y a Berlin d'abord. Je ne me suis pas inscrit. Ah, vous n'êtes pas inscrit. Ouais. Non. Et puis alors là, votre dossard pour le marathon de New York, c'est vous pouvez déjà commander celui de 2022. Hein. Vous ne pourrez pas vous aligner en 2021, c'est sûr. 9 mètres. Alors. Allez, tourne-toi. Monsieur Bassou qui parle à son décamètre. Il est bon, 9,99. Waouh. 9,99. Comme quoi, il fallait bien qu'il se tourne son décamètre, hein, monsieur Bassou. Allez, mon Ludo. Ah oui, des fois ça fait 10,01 m. C'est ça. Ouais, des fois ça fait 9,99. Allez, Ludo, continue. Allez, Ludo Montoro qui va donc pouvoir poursuivre. Allez, Ludo. Son entreprise. Ouais, mon petit conseil. Montoro vainqueur à Montluçon et à Trévoux cette année. Ouais, je pense. Ouais. Finaliste à Nevers. Allez, essaye. Finaliste face à l'équipe Fasino. Justement. Il y a 6 points d'un triplé historique. Ah ouais. Exactement. Et puis d'un nouveau, mine de rien, d'un nouveau doublé. Marseillaise Master. Bravo, quand même. Bien joué. C'est pas mal l'été. Alors moi, j'en pointerai une, on verra bien. Hein, parce que là, d'ici, elle est pas tellement extra. Hein. Voilà, c'est l'année. Non ouais, c'est l'année. Allez. Voilà. Allez. C'est bien, hein. Voilà. Et celui-là, il faut le gagner. Allez. Quand même. 9,99 m. Je vais prendre des fois le bouchon, lui casser ouais. Son point. Allez, ça peut peut-être... Je suis pas convaincu qu'il se gagne à tous les coups, moi. Ah, bon, allez, Jérémy. Mais pas convaincu du tout d'ailleurs. Mais la distance fait qu'on en avance une, voilà, il y aurait eu 2 mètres de 2 mètres de moyenne. Il serait parti, tirer tout de suite. Tu tires la mienne ou on pointe? Sans pointer une, oui. Encore une? Elle est dangereuse, hein, là, non? Qu'est-ce que tu veux pointer la mienne, les gars? Non? Là, je crois qu'il va falloir envisager du côté des roses de faire quelque chose parce que la wildcard mène 7-0 et que ça se passe pas très bien pour eux en plus. On est presque un peu chagrin aussi pour les polos roses dans le sens où David Riviera, quand même, dans ce secteur de jeu, excellé quoi. C'est, on l'a dit en préambule au niveau des stats, cet homme-là a été tout simplement le meilleur pointeur de l'été. C'est ça. Et puis chaque fois qu'il en a une à tirer, oui, on l'a vu en demi-finale contre Diego de Rizzi, c'est quand même celle qui tire, qui retourne complètement cette partie. Exactement. Bien tiré. Ah ouais. Le phénomène. Encore frappé. Regarde le tueur là, dès qu'il plisse les yeux. Non, mais même, attends, la boule est perdue au point. Ouais. Attends, elle revient. Et... Ah, c'est elle pas grave. Elle va faire deux mille derrière. Allez, Ludo. Pas facile là. C'est pas joli du tout, non. Allez, essaye. Allez, là, ça en fait un très beau. Allez, Ludo. Un bon. Là, c'est pas mal, hein. Allez. Mais allez, Ludo, essaye. Essaye de rentrer sur l'autre. Celui de droite, c'est bien. Mm-hmm. Bon, faire un devant de boule, c'est mieux. Ouais, un petit peu long. Hein. Bien joué. Bien, Ludo. Tu es rentré? Ouais. Bien, bien, bien. Celle de droite, bien, déjà, bah, elle a fait déroulé, son... là. Ah, donc, il a fait son boulot. Ouais, il n'a plus s'arrêter. Je ne voyais plus s'arrêter. Allez, Kevin. Aïe, le fakir de l'Ardèche. Bourg-Saint-Andéol dans l'Ardèche. Michel Robert, l'homonyme du vice-président de la FFPJP. À part que c'est pas le vice-président, c'est juste mon frère. Un petit.
Mais non, merci à notre réalisateur, à ses équipes de nous l'avoir retrouvé dans cette foule. Alors Kevin Malbec dans sa série 100% partout. Oh là là, mais il donne des migraines, hein. Il donne des migraines au polo rose Kevin Malbec, hein, parce qu'ils se font du jeu. Hein. Je sais pas ce qu'il leur donne là au restaurant. Mais... C'est magique. Tiens-moi là. Même plat que eux. C'est magique, hein, ce que vient de faire Kevin Malbec. Oui, hein. Ah oui, et... maintenant c'est eux qui ont de bon retournement de la situation. Exactement. Ça là, pas bronché. Hein. Allez. Essaye d'en couper un. Oh, la courbe est magnifique là. Waouh. Pile. Tu vois bien qu'il y a deux blancs, je pense qu'il y en a deux. Et du coup, ils ont une boule de plus. Les roses, mais je préfère à la place des jaunes, moi. C'est ça. Parce qu'avec les deux points qu'ils ont par terre. Voilà. Là, je pense qu'il va falloir faire intervenir David Riviera. Il en a les bras qui lui en tombent à David Riviera. Voilà, on le retrouve justement. Il a beau avoir retardé l'échéance. Tu vas te taper, je vais t'obliger à pointer. Fernandez, je crois, le disait lui-même. Des fois, j'ai la chance d'en couper un ou de venir dans le boule. C'est pas grave, mais je vais sortir, je vais céder ma place. Si je serais bien en forme, je reste sur au but, mais je suis pas trop à écrire. Mais non, il est pas trop en forme, il vient de faire un carreau à 9,99 m à la sautée. C'est vrai qu'il n'est pas trop en forme. Hein. Ah oui, vous avez raison sur ses ressorts psychologiques, hein, c'est peut-être ses axes de progression. Non, parce qu'il produit un jeu voilà, exceptionnel, il fait partie des meilleurs tireurs maintenant de l'Hexagone depuis 3-4 ans. Certainement du monde, forcément, évidemment, puisque les meilleurs jouent chez nous. Mais il ne se rend pas compte en fait de ce qu'il fait ce garçon. C'est vrai. Il ne se rend absolument pas compte de ce qu'il fait. C'est incroyable. De perdre de l'énergie à se poser des questions comme ça, je ne suis pas en forme, alors que là, il y a 9,99 m la première, il a tiré, il n'en voit que la moitié, il a fait carreau qui était dans le bouchon. Et puis derrière, il se dit, voilà, c'est pas possible de ne pas en choper une. Voilà, c'est pas vraiment la lecture que 4000 personnes ont dans les... C'est ça, c'est qu'il a un discours qui est complètement ambigu par rapport à ce qu'il fait. Ça revient pareil, si on tape mal encore un coup, on perd 3 ou 4. Tu veux tirer la tienne, Cré? Fait que tu es capable de tirer au but, toi. Ah non, non. Moi je pointerai même. Hein. Allez alors. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Il faut tirer au but. Comme tu veux. Allez, en plus, les points ils peuvent les faire. Ils vont prendre un carton. La quitte, pour le temps, je parle. Là, ils en sont bien conscients. Mais là, pointer là, moi, Namira, ça ne sert plus à rien du tout. Didier Basso qui cherche, il est prêt. C'est normal, c'est le règlement, mais en même temps, on remet le chrono en route et les joueurs, du coup, on a 10 mètres quand même, ça fait une bouchon hein, quand même. En pointant, qu'est-ce qui peut se passer en pointant David, déjà gagner les points, c'est miraculeux. Peut-être un bon, toi. Ouais. Là, pour le coup, voilà, il n'aide pas trop ses bouchons. Allez, pointe-toi, tiens. À ce compte-là, faut pas être sur la chaise. Quand on a Michael Bonito et Christian Fasino dans une équipe et qu'on ne tire pas au bouchon là. Après, il est gagnant, lui. Tu lui demandes quoi faire, il te dit je peux. Là, sincèrement, je comprends pas. Mais... Oh, bordel. Parce que là, c'est une grosse semaine de break. De toute façon, ils sont partis pour morfler. C'est ça. Fais-le en bouchon au moins. Bien joué. Très bien joué, mais ça dépend plus de du tout. Dommage, hein. Ça l'a tourné la boule encore, bordel. C'était droit dans le bib. Non, mais même à la sortie, je peux taper dans la boule du haut. Si je tape dans la boule du haut avec ma première, il y a vraiment rien qui veut. Hein. Vous ne les prenez pas les mêmes, chaque fois, c'est parfait. Alors, monsieur, 100% dans le rond. Allez, lui, n'a que faire des atermoiements de l'équipe adverse. Pour l'instant, il est parfaitement dans sa finale. Ça va. J'allais dire, et la courbe est de plus en plus bombée. Ça doit aller. Ah, mais après, 9,99 m, il faut les monter un petit peu quand même. C'est ça. Elle était pas mal tirée, ça leur méritait peut-être même un peu mieux. Mais bon, elle est frappée. Ça leur donne le point, apparemment. Alors on va demander au corps arbitral d'intervenir.
fait le job. Attendez, parce que là, comme c'est pris. C'est bon maintenant, et la nôtre, elle est un peu dans la blanche. Les roses tout devant. 39 cm et 1 mm. 39. Ah, j'ai compris. Et 36,2. 36,2 mm. Il en a fait assez. Kevin Malbec. Donc il est toujours à 100%. Exactement. Non, non, il est 30. Mais lui, j'ai entendu 30. Ah non, il est 30. Alors, Michael Boitouf. Allez, Mika, pousse là. Il faut qu'il y frappe pour avoir un espoir de marquer, d'enrayer la mécanique des jaunes. Voilà. Christophe Sario va tirer à deux avec le point par terre. Carton de jeu déjà, pour la jambe encore. Allez, Christophe. C'est dommage. Ah, c'est main de break, hein, dans la main de Christophe Sario. Je suis qu'à la première, tu vois, il manque, il ne peut pas retirer. Putain, la chance. Allez, Christophe. Allez, Chris. Allez, vraie belle opportunité là pour Christophe Sario. T'appuies encore un peu plus sur la tête des adversaires. Bien tiré. Bien. Bien tiré. Bravo. Super belle effort. Et il manque pas l'occasion. Le crédonnier de Grand Terraillon. C'est une super main 3. Banlieue lyonnaise. Allez, encore. Tournez. Allez, sois bon. Christian Fasino qui vient rendre une petite visite à David Riviera en disant qu'il faut changer quelque chose. Père. Et il a raison. Ouais, et David Riviera d'ailleurs va. Allez, prends ton temps. Va s'exécuter. Hein. Vous voyez, quand c'est Christian Fasino quand même qui vient vous parler. Je le sais, bon. Je te dis quoi après moi. Donc là, si Christophe Sario aimait, ça va faire 3, ça va faire 10-0. Et ça va me conforter dans l'idée qu'il fallait tirer au but, hein, parce que qu'il l'attrape ou qu'il ça aurait pas changé grand chose. Bon, mais, bon ben il n'y est pas finalement. Donc c'est moins grave. Un peu court, hein, malgré tout. Allez, deux points supplémentaires, hein, encore une fois. La mécanique est loin d'être enrayée du côté des joueurs de la wildcard. Elles se poursuivent. Deux points supplémentaires qui les font monter à 9. Donc 9 à 0. Sous le regard d'un David Riviera médusé et kiffé. Malgré tout son entrée. Alors ça risque de chauffer un petit peu. Hein, vous l'entendez déjà entre Mika Bonetto et David Riviera. Jérémy Fernandez qui va. Allez, trouver la chaise des remplaçants et qui est chaudement applaudi. On va sauver la tour. Ah, voilà. Bon, allez, à moi, si pas telle, là, allez. Le bouchon ne sera pas bon. Alors là, on va raccourcir considérablement la distance. Là, si là, tout va bien. Il est pas loin, pas la peine. On est 0-9, allez. Allez, mon Ludo. Allez, Ludo. Vous êtes là sur le côté, vous les laissez jouer. Vous voyez pas comment un sac de carreaux. Vous pointez ou vous les laissez faire. Tu veux faire quoi? Allez, Ludo, encore. Allez, Ludo. 7 mètres 10. Le but est à 7 mètres 10. Je vais passer les gars. Non ouais. Allez, 100 mètres. C'est joué debout. Vous voyez, toi, tu les envoies. Ouais. Bravo, bien. Ouais. Bien. Bien joué. Ouais, c'est un petit peu échappé là sur la fin. De toute façon, c'est 9-0, 7 mètres 10, n'importe où qu'il la mette. Ah ouais, Mika. Ça va pas changer grand chose. Au contraire, elle est bien. S'il prend un carreau, il y a toujours possibilité de regagner. Bien tiré. Bien, Mika. Super. Allez, piqué au vif. À l'entrée de David Di Riviera, non pas qu'il ait été en dessous. Hein. Son niveau. Allez, Ludo. Essaye. Allez, Ludo. À 75%, hein, à la pointe. Pas de tir à effectuer pour Ludo Montoro. Bien joué. Ah, c'est du 100% dans son registre. Allez, juste à pousser, c'est super. Il jouait peut-être même un peu trop près. Ça dépend de Michael Bonetto, en fait. Le représentant du FIP, hein, mine de rien, dans cette finale. Hein. Oui. Hein, c'est lui quand même qui représente le Fréjus international pétanque. Voilà pourquoi trop près.
Bien tiré, encore deux espèces de petits carreaux de Michael Bonito. Ah, Kevin, essaye. Qui quand même manque pas grand chose hein, quand même. Hein. Allez mon gros. Il fait une très très belle finale. C'est des boules importantes pour Kevin Malbec, parce que s'il ne cadre pas de celle qui est à gauche là-bas, à droite d'ailleurs de l'écran, mais il va falloir rejouer à cette distance. C'est dangereux. Et bien voilà, c'est fait. C'est bien tiré, mais c'est frappé. Mais il va falloir rejouer. Quatre boules dans les mêmes places. Des roses, 3 dans les mains des jaunes. 7 mètres. Une belle occasion de voilà. De faire une remontada si chère aux supporters parisiens. Ah, je sais plus. Ouais, voilà. Ou pas. Bien joué. Allez, 9 à 0, c'est bien là. Allez, on part de là. Allez, Cré. Allez, si ça part de là, faut réaliser une main pleine là, du côté des polos. Allez, montre-moi encore. Hein. Là, c'est l'occasion hein, quand même. Ouais. Ils ont même un droit à un joker. Non, tout le monde a le droit à un joker, hein, on le sait depuis longtemps, mais. Mais ce serait mieux quand même qu'il frappe les deux siennes, hein, Christian Fazino, parce que David Rivera, il vient d'arriver sur le terrain. Et ce serait mieux qu'il ait deux boules pour en taper une, si ça va jusque-là, parce que les gens ne peuvent des fois tirer au bouchon avant. Hein. Bravo, bien, ouais. Fort pas. Bien tiré. Bien, Christian, bien. Ouais, tiens. Eh ben, allez. On y est, là. Allez, mon cousin, on y est. Ah, c'est laisse-moi en deux. Là, c'est ce que je viens de dire, David Rivera. Hein, il joue pareil, ça, là, en plus. Il se pour en taper une. Mais pareil, on verra. De toute façon, il faut essayer de les faire jouer deux fois. De non, ils vont essayer. Ils ont choisi. Ouais, toute la saison, ça s'est bien passé. Allez, pour eux. Quand il y a eu des situations comme ça, ils ont pointé. Ils sont toujours passés plus ou moins à travers les gouttes. Et il faut le gagner pas bon. C'est ce qu'aurait dû faire Ludo Montoro à sa deuxième, mais après, c'est facile à dire, mais... Elle a failli embouchonner, ça aurait été la cerise sur le bateau. Allez, Cri. Allez, Christian. Allez, mon petit. Je sais que ceux-là, tu les kiffes. Allez, Christian. Allez, mon Cri. Allez, fais-moi montrer quoi, comment tu reboules. Allez, vieux. Pourvu qu'il bouge pas. Je te garantis que celle-ci, ça le plaît à lui. Alors, est-ce qu'ils vont continuer à passer à travers les gouttes, les jaunes, ou pas? Tom. Passe au moins. Bien, Christian. Ah, il a fait. Wow. Alors, combien y a-t-il? On dirait qu'il y en a deux et demi, je sais pas. Apparemment, je pense que la blanche vient couper quand même. On est traumatisé par les pieds. Fait tirer là. C'était à la limite. On va essayer de faire tirer. Bah, vous l'envoyez là. Et David Rivera qui vient d'arriver sur le terrain, lui. Donc, il va se retrouver avec une boule. Comme tu veux. Il y en a un de moins. Allez, de toute façon, forcément, tu vas le gagner. Il va tirer là. On peut penser que Kevin Malbec va gagner ses deux points, qui sont environ 1m20, 1m30. Juste interverti hein, au niveau des boules, c'est pas la dernière qui va être jouée par la wildcard. Ouais, et il restera bien deux boules dans les mains de David Rivera. Bien joué. Voilà. C'est bien David Rivera qui va avoir donc. Attention parce que David Rivera il déclenche vite lui. Hein. Allez, bien sortir, voilà, s'y reprendre. Allez, pas s'énerver. C'est pas facile là, il vient de rentrer. Il est tiré. Il devrait en avoir deux. Ouais, deux. Pas un petit troisième même là. À droite. Deux. Mais finalement, c'est pas trop cher payé pour non, les jaunes. Tout à fait. Ils ont bien limité la casse.
Allez, l'ouverture du score, quand même, pour l'équipe Fasino qui ouvre son compteur, qui évite la Fanny, mais qui est toujours menée largement. 9 points à 2. L'entrée de David Rivera, donc positive d'un point de vue comptable, d'ores et déjà. Oh non, stop l'hémorragie du côté de l'équipe Fasino. Allez, allez mon David. Alors, allez, David Rivera qui avait fait une demi-finale de feu. Et bien pointé, bien tiré. Bravo, bien. Voilà. Impeccable. Voilà. Ouais, ça peut quand même changer un petit peu la pression. Allez, continue, là. Allez, Kev, fais-moi un peu de place. Fais de la place. Après, vous me direz, ils ont confisqué le bouchon depuis le début, la wildcard. Donc. David Rivera, mais enfin, il aurait pu faire des reprises vu le niveau d'appoint. C'est important de bien engager les mains comme ça, hein, parce que ça envoie directement l'adversaire au feu. Et en fait, plus on se rapproche un tout petit peu de ce 13 fatidique, plus on peut penser un peu à cette victoire. Bravo, bien. Bien tiré, il a cadré à plus un point qui est. Ouais. Le moyen d'as en bas derrière, mais qui des fois, en cas d'accident, pourrait se perdre. Quel niveau, en tout cas, produit par Kevin Malbec sur cette finale. Wow. Ah, voilà. Bien joué. Ah ouais. Bravo. Allez, Kevin. Allez, encore. Bravo, bravo. Bien, cousin, bravo. Allez, Kev, continue là. Ça paraît facile. Allez, puis encore là. Finalement. Fais l'effort. Allez. Je crois qu'il faut que Christian Fasino fasse tampon entre Mika Bonetto et David Rivera. Je crois qu'il le fait physiquement à l'heure actuelle, c'est pas plus mal. Ça cherche un peu les deux hommes, ils se connaissent tellement. Voilà. Est-ce qu'on serait pas sur une première? On a attendu quasiment une heure et demie. C'est ça. Allez, ils peuvent le mettre moins bon. Allez, Chris. Pas droit. Il n'y avait pas trop d'espoir. Essayez de. Allez, essaye. De rattraper un peu la situation, comme Kevin Malbec l'a fait tout à l'heure. Voilà, ça c'est nul de chez nul. Ça c'est nul, ouais. Ouais, vous avez entendu la personne là, certainement. Qui a fait semblant de tousser. Allez. Je trouve pas ça très, très malin. Celui qui a fait ça, c'est vraiment pas intelligent. Je vous félicite pas. Bonjour. Et il est comme nous, le speaker, Marc-Alexandre, il est pour le beau jeu, voilà, que les meilleurs gagnent. Mais ça, c'est des attitudes nullissimes. Bien tiré, bravo. Ouais, la meilleure des réponses, en tout cas, apportée par Christophe Sario. Allez, il en faut plus pour le déconcentrer. Allez, Clé, encore. Allez, fais jouer, Clé. Des points qui sont pas mauvais, hein, attention, dans ce genre de terrain. Oh. Voilà, par exemple. Ça va. Ah ben encore, s'il a gagné, c'est bon. Bien, c'est peut-être même mieux. Bien. Allez, mon Ludo. Bien. Hein? Bien, c'est pareil. C'est vous savez que les tiens ne manquent pas beaucoup. Les pièces, c'est boule derrière. Hein. Ah oui. Ouais, dans la bosse et tout. Là. Ah oui. Alors, Bruno Le Boursicot, toujours aussi patient. Le grand Mendes qui encourage ses partenaires. Allez, Ludo. Remplaçant. Allez, Ludo. Remplaçant, ouais. Allez, Ludo.
peut-être un peu dur, ouais, mais... Ouais. Ouais, on sait pas, tu peux toucher le bouchon. Mais c'est pourtant vrai. Envoyé un missile, Ludo. T'es loin à la main, Ludo. Faut ah, mais j'ai joué mal les boules. Ah, ouais. On est d'accord. Hein, j'ai joué mal les boules. Ah, t'en vois trop je loin. De toute façon, j'ai... Voilà. Avec Ludo Montoro. Ah, cas, Ludo, ouais, clair, ouais, je sais que t'en vois bien là. Limite que tu voulais clair et net, mais cherche pas de mauvaises excuses. Que je te dise. Allez, gagne, mais non. T'es loin, t'es. Ah, mais il n'y a même pas débat. Elle est nulle part. C'est là, c'est pas grave. Au moins, c'est clair et c'est net. Allez, Ludo, celle-là, c'est pas grave. C'est aussi la marque allez, c'est pas grave. Des grands champions. Si, de reconnaître allez, de temps en temps, ils ont joué de paire de travers. Ah, c'est une marque, dommage. Ah, c'est mieux. Eh ah, oui, c'est grave. Bien joué. C'est pas possible de jouer comme ça. Allez, opportunité donc offerte. Ah, tu fais. Allez, juste à pousser, c'est super. Hein. Amika pour Amika. Ah, Amika encore. Ah ben, allez, il faut taper celle-là. Hein, si jouer la dernière, ouais. Continuer. Hein. Ouais. La remontada. Pas loin. Oh, oui. Tiré. Allez, ça fait déjà deux. Comment on soit boule à boule. Potentiel. Allez, comment on soit boule à boule. Ah, là, il y en a deux, ouais, je pense. Vu que celle-là est plus près que l'autre noir, on est bon. Avec Chris, on ne sait pas. On est raccord. Ouais, ça y est. Sérieux, je vais jouer sa dernière quand il en reste deux dans les mains des. Une phase idée. Avec Chris, tu n'as pas été bon. Une semaine pour revenir. Ouais, ouais, ça peut être. Ça peut nous relancer. L'intérêt de cette finale qui n'en manquait pas déjà, mais. Pour l'instant, c'était un cavalier seul. Oh, d'autant plus qu'ils vont laisser deux. Il faut monter ça là non plus. Ah, c'est bizarre, c'est bon. On va pas monter. Je mettrai des gifles. Alors, je mettrai des gifles. Coup de mettre. Hein non, il y en a deux, c'est sûr. On va mesurer quand même. On va le faire tranquille. S'il vous plaît, les deux là-bas, derrière. Pour nous dire si Christian Fézinot et ses coéquipiers. Peut-être. Il y a eu le bon moment, c'est la montée. Deux points par terre. Il y en a deux. 80 cm et 7 mm. 80 cm, 5 mm. La bouteille jaune. 79 cm et 8 mm. 79 et 8 mm. Donc, à ce point, elle a le mérite d'en avoir coupé déjà. C'est déjà pas mal. Ouais. Allez, vas-y. Laisse-moi pointer. Après allez, après, t'as raison, Chris. Allez. Allez, Christian. Tardin, t'as tes pattes de tu fais une carrouleuse. Ah Christian. Laisse-moi pointer, si je le mets après, allez, il fera ce qu'il veut. Allez, Christian. Si il le met, je pointe. Non. Tardin quand même. Ouais, c'est jamais, t'as raison. Si il n'a pas l'intention de tirer la sienne à Christian Fasino, il a raison. Non, pas prendre de responsabilité, faut pas écouter. Tu as tiré bien, il a mis 4 minutes, tu en fais 3 ou 4. Non. Allez, mon cousin, mon plaisir. Allez, il y en a 4 ou 4, allez, un petit frère. Allez, Amika, tire la pompe. Ouais. Un petit frère. Alors, c'est pas Amika, tire bien. Génial. Ouais, mais il va tirer, je préfère qu'il tire, il prend le bouchon, on n'y arrivera pas. Ah, y en a, Amika. Il y en a deux, vous me tirez, on ne sait jamais. Vous tirez, allez, Amika. Et ben voilà. Allez, petit frère, allez, encore. Il y en a deux, 3 frappants, 4 au carreau. Allez, Amika, essaye de la pousser un peu. Ça va faire 3. Ouais, ça va en faire 3, effectivement. Allez, le retour qui continue, qui s'opère pour les polos roses. Et voici désormais mené 9 points à 5. Ah, ils ont fait déjà plus de la moitié de leur retard là en l'espace de 2 domaines. Et si ça pourrait nous promettre une fin de finale complètement dingue. Est-ce que ça pourrait avoir un rapport avec l'entrée de David Riviera? Oula, là par contre il a envoyé le bouchon pas très loin. En tout cas c'est simultané, c'est sûr. C'est dangereux. Alors, il sera bon. Ah,
Bien. Bien joué. 70-2 en plein max. Feu à volonté. C'est mieux de ne pas l'envoyer loin. C'est un poil court pour Kevin Malbec qui méritait certainement mieux parce qu'il a pas du comme de loin, on rebondit comme une balle. Allez, tire bien celle-là. 100 fois pareil, allez, tire pareil. Pas aller. Allez, Kevin, tire pareil. Change rien. Allez, allez, Kev. Allez. Bien. Ah, en tirant comme ça, il y a moins de soucis. Ouais. La première, t'es sous l'homme. T'es au pied. Change rien. Hein? Ah bah, t'es au pied. Ah ouais. Il va falloir accrocher comme la même dame. La crochette comme la même dame. Alors, contre-attaque, côté rose, allez, Mika. Ça joue pas loin du tout. Donc, on tire de partout. Bravo! Ah ouais, tiré. Ouais. Bien. Je sais pas, je suis curieux de voir ces stats là, ouais, parce que ouais. Là, ça fait un paquet de carreaux qui la ligne d'affilée là. Allez, et voici voilà, justement. Il y a qu'à demander. Hein. Ah ouais. 82%, 14 sur 17 au tir dans ce terrain. C'est fort. Dès qu'on dépasse les 80%, c'est très fort. Bien tiré, bravo. Bien tiré. Bien. Allez, réponse immédiate de Christophe Sario. Alors maintenant, on le fait bon, on le fait pas bon, qu'est-ce qu'on fait? Et oui. D'ailleurs, Dimitri Rivira qui jette un petit coup d'œil. On se regarde, mais. Ouais. On se regarde, mais personne ne dit rien. Non. Je pense qu'il va pas le faire bon. J'aime bien, je pense qu'il va pas le faire bon. Mais ils jouent ensemble. Hein. Ouais. Le mieux, ce serait peut-être de se concerter. De lui demander, oui. C'est ça. Ah, c'est dangereux de venir aussi près parce que là, à cette distance, on peut prendre un carreau et si on ne le rend pas, on se retrouve en danger. Oula, c'est. Oh, elle est passante. Oh, on l'a vu. Ah, celle-là, elle y a échappé parce que là. Elle a vu tomber juste devant, elle a tellement voulu là. Très, très court. L'affaire rasante. Regardez, hop. Elle sort pas du tout celle-là. Ah, tiré, hein. Ah bah oui, de toute façon, t'as pas le choix. Hein. Allez, Ludo, essaye. Allez, Ludo, mon tour. Un coup sur deux à 6 mètres. Oh. Pas, ouais. L'attaque avec allez, Ludo, tire-la pour moi. Opération destruction. Faut casser des points. Ouais. Parce que là, ils vont en prendre. Un compère va plus, évidemment. Ah, Christophe, c'est moi quand je joue une sur 8 depuis tout à l'heure à la pointe. On est 9-0 devant, je bricole. Il fait pas l'état de boule pour en taper une au marque, on renvoie le bouchon. Comme tu veux, Christian. Après, tu veux pointer, tu pointes. Hein. Moi, je tirerai. Après, tu veux pointer, tu pointes. Moi, je tirerai. Il y a 6 mètres, il y a 5 mètres 50. Comme tu veux, Christian. Tape mal, tu peux traverser le jeu, je sais pas. Moi, je tirerai. Après, fais comme tu veux. C'est toi qui vois. Allez, pointe, tu veux pointer, pointe. Allez, crée. Allez, fais tirer. Allez. Allez. Allez, Christian. Moi, j'étais d'accord avec David Rivière. Ouais, l'argumentaire était bon, en plus. Bien sûr. Ah, ça avait l'air bien. Christian, bravo. Bien convaincant. Bien joué, parce que, voilà, il sait parfaitement qu'il va gagner ce point, mais il risque de se faire enfermer encore un peu. Si Miguel Bonetto tire bien ça là, là-bas, ça ouvre une main qui peut être un peu plus belle. Allez, Ludo. J'espère bien que le bouchon ne va pas naviguer pour Miguel Bonetto. Il y a une blanche au fond, il y a une blanche, il y a une noire, il y a de tout. Et c'est sauté. Allez. 1 sur 2, c'était le tarif là sur cette main du côté des polos de la wildcard. Zizi,
Écoute l'ancien, va. Écoute l'ancien, il a eu raison. Même je peux prendre quartier, je peux la chiquer, la remonter au but. T'as la mesure, il prend pas un carreau, il a raison. Allez, crie. David Rivera, il a 45 ans. On a d'expérience aussi. Et c'est sûr pas au même niveau que Christian Fasino, que le quadruple champion du monde, 15 fois champion de France. Bien, Christian. Ça va doucement, Mika. Et on va se retrouver. Tank. Allez, essaye de le mettre. Quasi à égalité. Hein. Enfin, allez, on va attendre quand même cette dernière boule. De Mika Bonetto qui vient la déposer. Plus 3 donc. Pour Mika Bonetto, là les supporters de cette partie qui s'étaient un petit peu tués, on va dire, sur le début de cette finale. Il faut dire qu'on menait 9-0, les poulains, leurs poulains étaient un petit peu dans le dur. Et là, retour à 9-8, 8-9 très exactement. Où tu veux. Retour aux affaires, retour aux. Ah, puis suspense totalement relancé, c'est pas pour nous déplaire non plus dans cette finale. On préfère ça qu'un cavalier seul. Même si on apprécie évidemment les titulaires de la wildcard. Elle a fait la remontada, n'est pas trop mal là. Allez encore, allez, viens-y dedans. Allez, allez là. Oh là là. Ça par contre, c'était pas la meilleure des manières d'entamer cette 12e main pour David Rivera. Tombé un peu dur là. On parlait de cette dalle bétonnée placée en plein cœur de piste. Allez Ludo. J'ai des boules, j'en ai mis. Allez mon Ludo, j'ai confiance. Allez. Alors David Rivera qui a bravo, bien. Un point d'attaque, on pourrait dire. Il n'y a pas de taper de boule dessus. Tu sais jamais, hein. Il y a quelque chose que tu fais un appui. J'ai une heure, c'est maintenant mon Bruno. Si tu le perds, on le tire. Ben voilà, exactement. Hein ? Bah, je vais pointer. Allez, David. Elle est un peu derrière. Peut-être c'est aussi bien. Allez, t'en approches une et après on y tire. Allez, David. Allez, on va faire une belle. C'est court. Ben, c'est court. Ça va bien. Dommage. Hein. Allez, Mika. Il n'a pas gagné. Dommage. Ah, elle est bien là maintenant. Celle-là, par contre, elle peut jouer quand même. Allez, allez Mika. Elle est dans l'axe, hein, 90, ouais. 80, 90 devant. Plein axe, ouais. Si plein axe. Ah ouais, parce que celle-là, elle est belle, hein, de toute façon. Ça. Elle est belle devant. Allez Mika, continue toi. Allez Mika. Allez, ne pas entacher, ne pas gâcher, surtout ce retour aux avant-postes. Bien tiré encore. Aïe 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 monsieur. Aïe aïe aïe. Ah, il y avait déjà eu un carton. Didier Basso. Ah, décidément. La boule, elle est annulée. Elle est annulée, c'est celle que t'as tirée par contre. Elle est où celle que t'as tirée? Là-bas, comme l'autre. Là, comme la boule n'était pas marquée, on peut pas la remettre en place. Mais bien d'accord, l'autre. Attends, on va expliquer ça. Alors. Venez les jaunes, venez voir. Bah, c'est pas moi, attends. Explication de texte. Donc là, venez aussi, j'explique la règle. Là, il avait pris donc un carton jaune collectif. Là, il vient de faire encore une faute de pied, il prend un carton orange. Donc, comme il a frappé la boule, cette boule est annulée. Comme l'autre boule aurait été remise en place, elle avait été marquée. Comme elle n'est pas marquée, elle n'est pas remise en place. Donc c'est ça.
Par contre, prochaine faute, quoi que ce soit, ça sera carton rouge. Est-ce que c'est clair? C'est bon pour tout le monde, les gars? Là, c'est bon, il n'y a pas de boule. C'est bon. C'est quasiment comme un avertissement sans frais pour Michael Bonneto, puisque la boule des jaunes. D'ailleurs, ce que j'avais évoqué ce cas l'année dernière, puisqu'il n'y a pas eu Masters, mais il y a deux ans, mais quand il y a un joueur qui prend un carton jaune comme ça, l'adversaire devrait automatiquement marquer toutes les boules, parce que là, en l'occurrence, ils auraient remis la boule en place. Là, ce n'est pas le cas, puisqu'elle n'était pas marquée. De toute façon, la boule de Michael Bonneto, elle est sortie du terrain, donc elle est annulée, mais elle ne comptait pas. Donc, ça n'a pas une grosse importance. Oui, on pourrait presque se dire que ça devrait presque être reporté sur la boule à jouer, la prochaine boule à jouer, si on veut que ce soit pénalisant, je parle. En fait, je ne connais pas toutes les ficelles du règlement. Des fois, ça peut être comme ça. Si la boule avait été, je crois que si la boule avait été manquée, c'était celle d'après. Mais comme elle a été frappée, c'est celle-là. Ouais. Alors, sous réserve. Oui, oui, mais... Alors, on a décidé de contre-attaquer côté jaune. Casquette en plus, ça. Parce que là, il s'en sort pas mal. Hein. De toute façon, la boule de Michael Bonneto, elle était sortie. Donc, c'est ça. Et comme les jaunes ne marquent pas les boules, parce que là, ça aurait pu. Là, par contre, s'ils remettent la boule des jaunes en place, là, ça pouvait tout changer. Ça sort bien. On est d'accord. C'est pas grave. Hein. Allez, Ludo, essaye. Je peux même pas tirer à l'arrivée. Allez, Ludo. De quoi? Presque même plus tiré. Non, le carton, on rend rythmé hein, quand même l'été de l'équipe Fasino. On rappelle du côté de Montluçon, donc en plus chez lui hein, pour Christian Fasino, pour avoir mordu à plusieurs reprises. Et puis Mika Bonneto à Sifour en quart face à l'Italie. Donc deux rouges hein, quand même qui sont tombés. Encore une casquette incroyable, deux casquettes dans le même. Plus celle qui porte sur la tête. Ah, tu peux plus tirer maintenant. C'est pas ça, ils ont combien de boules? Trois boules, ils ont encore la gagne. Et ils vont jouer. C'est ça le problème. Tiens-y alors. Oui. Ils ont 8, le problème il est. Allez. La casquette. T'as vu? Ça va dormir là. Le seul problème, c'est que si tu te fais tirer dessus trois fois, en plus tu peux gagner, il est dur à gagner. Allez, essaye de la taper. Allez, mon Christophe. Allez, rattrape-moi. Allez, frappe, c'est bien. Qui menait 9-0 il y a pas quelques dizaines de minutes à peine. Ouais. Est en train de penser à tirer pour pas perdre. C'est ça. Là, il y a le bouchon devant. Il serait bien inspiré d'être un peu court. Ouais, voilà un peu long. Il n'a pas le droit, Christophe Sario. Et puis lui aussi. Lui aussi va prendre un carton. Il est sorti du cercle. Il est sorti du rang. Ouais. Il a mordu. Alors, il n'y avait pas de dépassement de temps, hein, pas de carton jaune collectif pour l'équipe Wildcard jusqu'à présent. Ouais, c'est pas grave, doucement. Par contre, il faut faire attention parce que là, pour le coup, un dépassement de temps de Kevin Malbec ou de Lito Montoro occasionnerait un carton orange pour Christophe Sario en l'occurrence. Hein. Ouais, mais c'était le jeu de tiré, Kevin. C'est lui qui a perdu. Ouais, c'est le jeu de tiré, Kevin. T'as fait casquette quand même. Non? Faut que tu fasses casquette quand même. Deux, t'en as fait. Même si t'as c'est vrai que casquette dans la même veine, c'est relativement. Hein elle est plein jeu, sa boule. Si tu étais un doigt plus bas, c'est pas aller. Même si tu le perds, c'est moi qui tire avec le bout. Ah, mais je suis d'accord. Mais si tu fais pas aller quand même, comme t'as tiré. Ouais, ça, c'est celle qu'il fallait tirer en premier. Il a tiré la première, on n'a pas eu le temps de finir. Mais tomber derrière la première, c'est quand même pas terrible. Ouais. Et là, c'est en train d'enflammer, hein. Tout simplement, ces arènes de Sainte-Marie de la Mer. Là, surtout, ne plus sortir du rond hein, pour Michael Bonneto. Ah, ben là, oui. Attention. Hein? Je vais vous dire que c'est pas facile de tirer dans des conditions pareilles. Alors, regardez, il peut y rester bien confortablement dans le rond. Il n'est pas obligé hein, de lever le pied comme on a vu sur le ralenti précédent. Regardez ça. Ouais.
Mais ça bouge pas. Allez, déjà deux. Et Christian Fasino. Et ça va faire 12. Il en aura mis des plus compliqués dans sa carrière. Et oui, ça va faire 4. Et donc 12 au tableau d'affichage. Ouais, puis là, détendu en plus. Ils sont beaux les points de Christian Fasino. Mais ça, on s'en fiche. Il pourrait ne pas l'être. Que ça ferait des points quand même. Et donc, ils étaient menés 9-0. Les voici désormais menant 12-9 à un point de la gagne. D'un doublé pour Mika Bonetto et d'une cinquième étoile pour Christian Fasino. Quel match, quelle finale. Ah, ça pour des retournements de situation. Et en plus, c'est la 13e main. Oui, c'est la 13e main. La fameuse. La fatidique. Alors, on est en. Allez, après avoir sorti les cartons, monsieur Basso va sortir le décamètre. Ça, c'est moins risqué pour les joueurs. C'est vraiment unique. On doit y être là quand même au 10 mètres, non? Ah, si, oui, pardon, c'est les 6 mètres. 6 mètres 12. Oui, pardon. 6 mètres 12. Ça, c'est sûr qu'on y était en deçà des 10 mètres. C'était plus la barrière basse. Les 6 mètres qui pourraient être problématiques, mais 6-12, ça va jouer. Même si je le gagne, il comporte. Allez, non. Ouais, t'as tiré. Allez. Il faut le faire banc. Quand même pas très 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 loin. Bien, David. Bien joué. C'est parfait. Allez, vous va faire bien fort maintenant. Voilà. Hein. Allez, Kevin. Allez, les boules que David Riviera a eu à jouer. 4 sur 6, oui, c'est de la même main qu'il avait joué deux moyennes à ça, mais sinon tout le reste, ça a été bien joué. Surtout au tir, ça leur a permis de décoller au score. Bien. Ah, voilà. Après les deux casquettes. 4 mains quand on joue 3 buts. La casquette, c'est ralent parce que c'est. Ah, il s'est bien tiré quoi. On peut quand même pas dire que ce soit mal tiré. Ah, ouais, c'est tranquille. Hein. Ce qu'on a coutume de dire. Allez, Mika. Allez, Mika. Wow. Bien tiré. Oh, le carton encore qui continue. Ah, c'est bon. Ah, c'est pas marqué. Ah, le bouchon. Ah, il fallait le marquer au moment où il a bougé aussi tôt. Il fallait le marquer aussi tôt, faut pas attendre qu'ils soient dans le rond, les gars. Ah, c'est bon. Ah, c'est sûr que ça distribue pas mal de cartons avec ces règles-là. Alors, du coup, qui le prend? C'est Kevin Malbec qui le prend. Oui. Tout à l'heure, c'était Christophe Sarrio, donc ça n'a pas d'incidence. Voilà. Et c'est vrai que. Alors, s'il y a un carton collectif. Du coup, ça devient orange pour les deux joueurs. Alors là, on est beau. Allez, Ludo. Là, on est beau. Bon, espérons que ça ne nous arrive pas quand même. Parce que ça ne nous arrive pas. Pour des joueurs de ce niveau. Bah, voilà, c'est Ludo Montoro, Kevin Malbec, Christophe Sarrio. Entre pas marquer la boule là-bas tout à l'heure, alors que les adversaires ont un jaune. Et là, pas marquer le bouchon là quand même. Hein. Ça laisse un rêve. Allez, tranquille. C'est bien, hein? Ah, allez, mon Mika. Allez, on espère que sur cette fin de partie, on va plus parler de carreaux, de beaux appoints que de cartons et que l'issue surtout de cette finale ne sera pas entachée ou en tout cas biaisée par ces cartons. Allez, Ludo. Quel Goeto qui est sur une série. Diabolique. Ouais. Allez. Ah, il enchaîne, hein, il est rentré dans une routine exceptionnelle. Comme quoi, quand il fait attention, il fait autant de carreaux, mais c'est juste un petit peu d'inattention, sûrement. Bien joué. Ouais, bien fait. J'ai tellement pas confiance à la pointe, je peux pas dire que je vais la mettre un mètre derrière ou 50 derrière. Allez mon vieux.
J'ai rarement entendu Ludo Montoro aussi désemparé par un terrain. Allez mon Christian, fais-moi rêver encore. Attention, parce que là, si des fois il la cloue, ça va être compliqué hein, pour les jeunes. Et comme on dirait un perdreau, et que c'est quand même un peu le spécialiste de ces situations chaudes. Bien, bien, Christian. C'est tiré, c'est frappé. C'est pas grave. C'est pas grave, non. Il arrive à se relever. Au deux pieds. Bien, mon Christian, bien. Allez, Christian. Ouais, il croyait qu'elle allait. Allez. Allez, Christophe. Allez, on sait pas. Allez, un petit bouchon là. Allez. Allez, mon Christophe. Allez, crie. Maintenant, il marque les boules à Christophe Sario, mais c'est une bonne idée, mais allez, c'est dommage, c'est un petit peu tard pour ouais. Allez, Christian. Il faire un petit carreau à côté du bouchon. C'est sûr. Et bien, il laisse ce plaisir à David Riviera. Allez, il faut venir, il faut continuer à venir. Après, tant pis, hein, prendre le risque parce que là, l'adversaire a 12. Et après, si on en fait un mauvais, on se retrouve avec un manqué perdu. Donc, c'est pas très agréable comme situation. Bravo. Ah ben, c'est ce qui risque de se produire d'ailleurs. Ouais. Ah, faut le faire jouer, de toute façon. Ah non, non, hein, c'est pas grave. Hein. Ah non, mais c'est pas grave, attends, allez. Je vais gagner. Essaye d'embouchonner. Allez, gagne-le, papa. Bien, c'est en béra, hein. Allez, gagne-le, là, fais tirer un coup. Fais attention. Allez, David. Allez, ça, il veut gagner. C'est fait. Bien. Eh ben, Kevin Malbec manqué perdu. Ah, ça serait cruel, évidemment. Un temps. Ça fait longtemps, il a fait une très allez, belle c'est... finale, allez. Kevin Malbec. Et ça là. Elle vaut cher. Oh, moi j'ai envie que ça dure encore un peu. Moi aussi. C'est pas très très loin. C'est, pas de casquette hein, surtout. Bravo. Bien, bien, bien. Super Kevin. Allez, ça fait un point dans l'escarcelle de l'équipe Wildcard. Qui revient donc, et oui, une fois n'est pas coutume, on le disait, de l'équipe Fasino depuis le début, qui a fait le plus clair du temps la course derrière, bien sûr, a mené 9-0, on le rappelle, qui a enchaîné la bagatelle de 12 points consécutifs pour se présenter à un point de la victoire. Et là-bas, on va avoir une mène de bonheur supplémentaire. La 14e, donc. Ouais. Si j'ai bien compté. C'est ça. On va faire. Si j'ai bonne mémoire, parce que la celle d'avant, c'était la 13e. Voilà. On va faire déjouer un petit peu les statistiques. Allez, Ludo. Puisqu'en général, on le rappelle, vous en avez l'habitude, bien sûr, hein, si vous suivez la pétanque sur la chaîne d'équipe. Allez. C'est vrai que la 13e en moyenne. C'est souvent la dernière, mais ce ne sont que des statistiques, ça peut durer beaucoup plus longtemps. Et là, on ne va pas être loin des 2 heures de jeu hein, maintenant. Ah non, pas loin. Hein, c'est ça. Hein. Alors, allez là. Moyennas pour Ludo. Elle est là, Ludo. Bah ouais, mais surtout que ça, ça va, il est bien joué. Il a tapé sur le côté. Combien de minutes ? T'as 8 mètres. Allez, oui, allez, on voit. Je pense, non ? Allez, fais jouer, de toute façon, on verra. Hein. Allez, tu peux le gagner, c'est... Allez, viens sur la butte, là. On... Hein ? Allez, David, il y a une petite place. Ah,
Peut-être. Peut-être pas, peut-être que... Oui, j'ai l'impression qu'il va gagner. C'est le temps. C'est la boule de pièce, par excellence. Mais alors, pas de beaucoup, alors, à part... Elle a gagné. Et maintenant, tout le monde qui marque tout. Et puis, il a dit... C'est la boule piège par excellence. Ça fait sourire. Si il le gagne, pas. Oui, c'est normal. C'est ça, c'est pas mal. Il a gagné juste. Hein. Allez, on verra quand ça monte au bout de deux boules. Oui, il a eu l'effet escompté, du moins. C'est que là-dedans, c'est le point qui se perd. Et si on le gagne, qu'on prend un mauvais tir, ça sert à rien. Et 10 à 12, on va tirer sur celle qui est derrière. C'est pour dire que quand on dit que le terrain n'est pas spécialement bois pointé... Il n'y a quand même aucune raison dans un beau terrain d'aller tirer sur ça là-bas. Oh voilà, ça là. Ça là quand même. Il n'est pas tombé très loin d'avant, j'ai l'impression. Trop mal joué après pour que ça nous réussisse. Hop, voilà, il nous a montré. Quand t'es la tienne, Ludo. On a trop mal joué pour que ça nous réussisse. Non. C'est revu, tu fais. Je sais pas. C'est revu, non. Ouais, allez, vas-y. De toute façon, ça sert à rien. Allez, t'en as une de plus au moins, Christophe. Allez, vas-y, pas de soucis. Allez. Sur bouchon. Allez. On se rappelle qu'en début de partie, Kevin Mabek est tombé dessus là. Ah, allez, ça y est. On a failli le tomber en plein dessus. Plein moi, ouais. On a failli le prendre dans la tête. Là, ce ne sera pas le cas. Bien tiré. Ça va pas suffire. Oh, si bon. Il est passé. La boule est sortie, mais pas le bouchon. Oh là 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 là. Bon bah alors là c'est quelque... ça c'est... Ah c'était quand même bien tiré. Ah ouais bien sûr. Bien tiré. Oh là 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 là. Ça se joue à rien. Puis attention parce que maintenant bon, au fond il y a la ligne de perte derrière. Bon sur le côté un peu moins mais parce qu'il va jouer au milieu des boules. Mais attention de ne pas sortir surtout. Faire jouer pour David Riviera, ah voilà, ben faut gagner le point. Là où lui a montré Michael Bonetto de 1m20 devant, c'est parfait. Surtout pas sortir. Allez David encore. Allez le. Allez, tous les voyants sont au vert hein, pour l'équipe Casino. Là David Riviera. Et peut-être l'occasion de tout porter l'estocade là. Oh David. Ouais bon, ça fera jouer, mais la reprise est. Je sais, j'ai tellement peur de sortir. Mais s'il a gagné, il a fait son boulot. Ouais. Oui, Mais bon, si à chaque fois que tu joues. Allez, Ludo, il a fait la tâche qui vient de tomber, certes. Mais il va faire jouer parce que les jeunes, ils vont avoir peur de sortir aussi. Aussi. On verra, tu sais, tu viens de faire bon. On sait pas, après, on peut être boule à boule. Allez. Allez, Ludo Montoro qui a été un petit peu long là tout au long de cette finale. Sur ses appoints. Là, il va pas falloir l'être, justement. Peine de se noyer. Bravo. Oh, c'est fort. Bravo. Allez, voilà. Bien voilà, joué. Quand même. Alors, attention, Michael Bonetto, parce que là, c'est loin. Il doit y avoir environ, je sais pas, je dirais entre 11 et 12 mètres. Attention de ne pas sortir du rond, surtout. Bon dynamique, parce que là, des fois, on est bon, à cette distance, on allez, se laisse un plaisir, peu emporter. Un Mika. Peu de sable, on ne sait pas. Allez, Mika, de suite. Hein. Allez, rattrape ma boule, fais-moi plaisir, là, Mika. Ah, Mika. Tom. Oh, aïe, aïe, aïe. On a vu l'impact là, juste derrière. Ah, là, là où je la manque, là. Il y a du sable devant, Mika. C'est que j'ai dit, on fait devant. Il y a du sable devant, oui. Attends, regarde. D'accord, oui, mais... Allez, Mika, c'est pareil. Laissez-moi, Christian. Tire bien celle-là. Allez, tire l'appareil. Allez, tire l'appareil. Allez, Mika. Pareil, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais bon, non, après, il y a du sable devant, mais par contre, mets-y droit, allez, Mika. Tire l'appareil derrière. Ah là 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 là, bah, tire là devant, mais oui, le résultat, là, malheureusement, c'est bien tiré. Est similaire. Ah, j'ai mal tiré, tire alors, devant. Du coup, par contre, on se retrouve. Pas fait la... C'est pourtant, elles sont pas mal tirées les deux. Une juste derrière, une un peu devant, il y a 11 mètres. Pour ça, je voulais passer la tire normale. Là, je manque la première. Ah, j'ai mal tiré.
les deux dans les mains de Christian Fasino. Ah, maintenant c'est chaud parce que parce que du coup maintenant. Je vais pointer ma première. Ah bah oui, la wildcard, le 10, un point par terre, deux boules en main. C'est moi qui ça, je suis pas les forts. C'est chaud, c'est chaud. 20 secondes. C'est pas le moment de prendre un carton. Non, on n'a plus le droit. On n'a plus le droit. Pas manqué d'eau. J'ai pas manqué d'eau. Non, mais c'est loin. Il est juste derrière. Il est juste devant. Oh, bravo. Oh là 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 là. Il est peut-être là, le 13e. Il est peut-être là. Christian Fasino. Ah, l'histoire, elle serait. Elle serait belle, hein, de toute façon, ça c'est sûr. Ah ouais, parce que là, il jouait un peu dans la précipitation, forcément. C'est une machine. Et là, tac, hop, on saute un peu à gauche, à droite, un petit bec et c'est gagné. Bravo. L'équipe Fasino qui s'est qualifiée pour ce Final Four en quatrième et dernière position. Qui a eu cette qualification face à la partie d'Urk qui n'avait pas son destin en main parce que la partie d'Urk s'est inclinée face à l'Italie sur le. Qualifié par les Italiens. Ouais, c'est ça. Exactement. Qu'ils ont donc ensuite battu en demi-finale. Christophe Sario, un bon de chantier là, parce que c'est au bout du monde. Là. Ah ouais, ouais. Un petit père. Oh là là là. Ah là, s'il le fait, c'est quelque chose. Hein. Ouais, c'est la sienne. C'est la sienne. Ah, il était bien monté, mais là, on n'est pas dans l'axe. Donc, Oh là là. On n'est pas bien. Donc, on sait pas trop. Ouais, non. Ah ouais, là, il l'a dit, les deux monteront. On n'est pas bien. Il est beau et du coup il a gonflé la sienne. Je crois qu'il était à la main. Ah ouais. Ah bah là ouais. Ah là maintenant je. Là je vois pas trop comment. Ça veut dire qu'il faut qu'il la frappe, mais que derrière il ne remette pas le point. Ah non, mais même ouais, non, il a perdu. C'est-à-dire n'importe quoi. Oui, il fait carreau. Oui, il tire, il fait pile. Parce que dès qu'il fait pas la longue, il a pris le sort. Tu fais pas carreau, t'as perdu. Voilà, c'est ça. Ludo Montoro, il a. De toute façon, on n'a pas à se dire. Moi qui consulte de temps en temps, Ludo Montoro aussi. Déjà, on est au moins 9-0. Il fait office c'est de consultant et il a tout expliqué à notre place. C'est voilà, le, si tu tires, carton, si tu fais pas carreau, t'as perdu. Et si tu pointes, si tu gagnes pas le point, t'as perdu. Faire que tu fasses tu vas prendre un carton en plus. Allez. Tu vas faire quoi? Si tu fais pas pile, t'as rien fait. C'est vrai. C'est exact. Oh, comment c'est perdu ça là. Et l'entrée hein, de David Rivera dans ce match. Oh, c'est peut-être pas fini. C'est pas fini. Cette fin de finale est complètement dingue. C'est un truc de fou. Ah, David Rivera qui n'en prend pas ses yeux. Il était à l'autre bout du terrain. Regardez. Ça, c'est le plus malade. Ah, c'est sublime. La reprise de Christian Fasino, un peu la même, hein, similaire à celle de Christophe Sario maintenant. C'est. La sienne continue d'avancer un tout petit peu. Dans des terrains comme ça, des fois, on peut rester pendant 6 mois sans le voir, ça. Et puis voilà. Rien que pour ça, ça méritait de suivre cette finale. Hein. Waouh! Pour cette main, ah oui, alors là, tout le monde marque ses boules. Tout le monde marque ouais, tout le monde. Ouais, c'est ça. Là, c'est peut-être pas fini. Hein. C'est peut-être pas fini. Ah, ben, c'est surtout que là, déjà, il reste 20 secondes. Ouais, là, faut y aller. Hein. Ah, il pensait peut-être avoir fait le plus dur, hein, Christian Fasino. Ah oui, pointer gagné, oui, ça d'accord, mais là, je sais pas où vous voulez pointer. Allez, oh là 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 là. Mais le bouchon a dû sortir, même ouais. Si. Eh oui, forcément, là où il était passé. De là, j'ai pas vu, mais. Donc rien n'est marqué. Rien n'est marqué, on pensait au moins qu'il y aurait un point d'un côté ou de l'autre. Ah, c'était bien tiré quand même, hein, mais bon là oui, là comme c'était placé. Oh là 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 là. C'est impossible.
Quel men nous venons de vivre, même si aucun point n'a été marqué de part et d'autre. On en reste à 12-10 donc pour l'équipe Fasino qui a entrevu, ouais, ça c'est le moins qu'on puisse dire, la victoire finale. Mais non, Ludo Montoro et ses partenaires sont toujours en vie. Et notamment le sociétaire du FIP qui est toujours donc en lice pour remporter une troisième fois consécutivement ces Masters, qui serait donc tout simplement une première. Allez. C'est un truc de fou. Ah ouais, là on a vécu un grand moment. Hein. Là franchement. Très bien fait quand même. Ah oui. Sous l'œil attentif du grand Mendes. Eh oui, Bruno Le Borsico. Ah bah... c'est vrai, hein, le seul des 8 à ne pas avoir préparé à cette finale. En tout cas sur le terrain, parce qu'il est là évidemment pour supporter ses partenaires, pour donner quelques conseils avisés. À la fin. Bravo. Bien joué. Ah, ça serait le bon moment, là, évidemment, bon, hein, pour retrouver bon. Son niveau. Allez, Mika. Allez, Mika, encore, continue. Allez, Mika. Oh, elle était pas mal tirée, cette boule. Au pied, hein. Je suis au pied de la boule. Là, je vois pas comment c'est la noire qui ressort, là, effectivement. C'est ça. Allez, il t'a fait un petit peu de place, David. Il est 40. Fais un effort, David, fais jouer. Je sais. Hein, voilà. Coup de place, c'est une bonne donnée, là. Un peu moitié boule, peut-être. Ouais. Pas tout à fait droit, mais... Un petit sableux, là, je crois, normalement, mais bon. Allez, essaye de le gagner, il y a une petite place. Quelle fin de partie. Ah, ouais. Oh, gagne-le. Ça doit aller. S'il l'a gagné, ouais. Il l'a bien je gagné. C'est pas de droit, c'est sûr. Même. S'il l'a perdu, ouais, c'est j'espère. Pas terrible. Il a gagné. Allez, mon Ludo. Bien. Et il l'a gagné. Manifestement, il n'y a pas photo. Allez, un petit coup de tête dans le but. Si tu peux. Allez, Ludo, gagne-le déjà, ce sera bien. Il nous l'a bien gagné. Allez, vas-y, de toute façon. Allez, Ludo. Un petit coup de tête. Un petit coup de tête au bouchon. Pour aider un peu les journaux. Allez, Ludo. Bien, Ludo. Bravo. Ouais, bien fait. Bien joué. Ah, là, il a. Allez, il s'est retrouvé là sur les deux boules. Allez, les deux boules jouées. Mika. Hein, allez, Mika. Allez, Mickaël Bonito. Allez, fais un effort là. Allez, Mika. Allez, juste à pousser, c'est super. Hein. Allez, Mika, encore. On dirait. Bon, si on peut dire, si on trouve encore des perdreaux à 12 à 10 en finale des Masters, mais il est capable de la clouer, celle-là. Bravo. Bien tiré. Bravo. Ouais, toujours ce geste-là, si délié, si ça semble facile. Allez, Christophe. Allez, Chris. Allez, c'est pas allez, évident. Essaye. Bravo. Bien joué. Super. Allez, elle va faire le chemin nécessaire. Ouais, c'est bien joué. Allez, Christian. Allez, encore, petit. C'est vraiment du boule à boule, là. Ah oui. Ah oui, là, on ne se quitte pas. Allez, mon cré. Ah, on ne se quitte pas. On ne va pas facile à gagner, mais finalement, on se gagne bien. Ça dépend. Quoi. Après, ça dépend. Ouais. Voilà, apparemment. Allez, cré. Allez, vieux. Allez. Bien, Christian. Super. Bien.
Bien. Bien tiré. Bien, Christian. Putain. Oh, la main. On a gagné. Allez, Christophe. Allez, Christophe, essaye. Dommage. Allez, continue, là, c'est dur. Trois boules pour la wildcard. Hein. Celle qui arrive est importante. Alors, Christian Fasino, 80%, ah, 95 au tir. Imaginez là. Ouais, c'est du lourd, du très très lourd. Christophe Sario avec des stats un petit peu moins belles. Ah, et là, il a fait faire un tour au but, Christophe Sario. Alors ça peut avoir son importance. Alors, évidemment, Ludo Montoro qui marque, mais c'est pas impossible qu'il y en ait deux. Et ça pourrait changer la physionomie de cette semaine. Je pense pas qu'il y en ait assez, mais bon. Hop là, il a mis un joli petit coup de tête quand même. Hein. Bah, la vérité, s'il en a fait deux, on n'est pas chanceux. Je t'avais dit, il a touché le bouton. Il en a fait deux, on n'est pas chanceux encore. Donc, la but du jour d'abord. 65 cm et 1 mm. 65 cm, 1 mm. Et 65 cm et 5 mm. Eh oui. Waouh, il y en a deux. Oui. Alors là, c'est plus du tout la même, c'est plus la même musique là. C'est ça les boules, qu'est-ce que tu veux faire là, c'est... Avec Christian, tire à la plus prête, on verra bien. Hein. Là, c'est plus la même musique. Quand tu veux tirer. De toute façon, il est dur à gagner. Il est dur à gagner, dit. Je tire après. Ouais, c'est vrai. Bonito, oui, c'est vrai. C'est vrai aussi qu'il est dur à gagner. C'est vrai, je veux te pointer. J'en ai fait deux. Il faut plus. Il vient quand t'as tiré de deux bêtes. Comme ça, c'est le bout. Hein. Faut que t'en coupes un déjà. Hein ouais. T'en coupes un, c'est bien déjà. Ouais, on passe. Non, mais là, le problème, allez, David, fais un exploit. En pointant la première, ça va être dangereux de tirer la deuxième. Parce que s'il y a un déplacement de bouchon sur la deuxième, et comme le bouchon est quasiment collé à la boule. Arrive David, À part d'avoir la guigne comme ça, c'est un truc fou. Allez, attention, c'est parce que là, pour le coup, il y en a deux par terre, on a dit, hein. Ça change complètement là. Ah ouais, mais il y a boule de pute, Christian Fasino, il peut faire un carreau, il peut tomber sur la boule. Tu allais mettre un coup de boule. Il peut tomber au boule de pute, parce que là, en pointant la première, ils ont quasiment plus le droit de tirer celle qui arrive, puisque si le déplacement de bouchon, ils peuvent perdre. Là, si le bouchon bouge mais qu'il sort pas, ils peuvent perdre. Christian, c'est le moment là. Quasiment sans jouer. Mais les deux, je sais pas. Ah, il faut qu'il mette les deux quand même hein, derrière. Hein. Ah, écrit. Christian. Allez, petit. Évidemment, trouve son. C'est le jeu. Trouve la cible. C'est le jeu de tirer. Au moins, il faut qu'il mette les deux. Hein. Après, c'est Kevin Malbec qui a les deux. Hein. Allez, Christian. Oh eh ben, ça va parce que ça va que le bouchon est sorti, mais. Ben, allez. Les deux boules de Kevin Malbec dans les mains. On est 12 à 12 ou pas ? On est 12 à 12. 12 à 12. Deux points. Et finale. Waouh. Alors là. Là, j'avais pas imaginé ce scénario-là, en l'occurrence. Oh, il est vraiment entre les deux. C'est pour ça qu'il fallait tirer tout de suite s'il fait ça. Ouais, s'il fait ça avant, voilà, ça reste plus à 10 le score. Ouais, exactement. Ouais, bien sûr. Ouais, avec le danger qu'il y a du bouchon, si le bouchon il sort pas du terrain et qu'il va dans une boule des jaunes, Kevin Malbec il a plus qu'à la jeter, il a gagné. Tirer la dernière, c'était bien un peu risqué. 12-12 alors que nous entamons la 16e main. Et ce pourrait être la dernière. Et on a franchi des deux heures de jeu. Ah ouais, allègrement là. Allègrement. Ouais. Allez, Do. Quelle finale. Alors, j'ai pas souvenir, pour le coup, là, depuis 6-7 ans que non, qu'on les commente ensemble, qu'on ait eu une finale aussi serrée. Hein, parce que souvent, les finales, mine de rien, c'est un petit peu du cavalier seul. Quand on dit que les finales, c'est pas souvent les plus belles parties non plus. Des fois, l'enjeu prime un peu sur le jeu. Mais 12 à 12, non, j'ai pas le souvenir. C'est une partie aussi ténue, ouais, depuis quoi ? Depuis 2015, 2000. Alors, 12 à 12. Le fakir de l'Ardèche, en l'occurrence mon frère, a un dicton à 12 à 12. Le premier qui tire a perdu. Bon. Alors après, c'est vrai que ça s'adapte plus
Ah, c'est aux gens de niveau moyen qu'au phénomène qui sont là, mais ça se vérifie quand même assez souvent. J'ai eu l'occasion. Et là, en l'occurrence, c'est Mickaël Bonneto qui va tirer le premier, parce que pour gagner celui-là, c'est pas simple. C'est là. Allez, c'est maintenant, là. Allez. Fais-nous de la place. Maintenant ou jamais. Ah, clairement. 12 partout, finale des Masters. Compétition commencée depuis 9 semaines. Aïe, 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 aïe. C'est mort. Ah, ils sont passés par toutes les émotions, pas droit, ces joueurs-là. Ah, je suis court. On le rappelle, a mené 9-0. Ils ont repris les. Allez, c'est pas grave. Pousse à celle-là. Fais jouer. 19, 12, 9. Essayez au moins de la décaler un petit peu, parce qu'au pire, Christian Fasino pourra tirer au bouchon, parce que là, pour le moment, c'est compliqué. Oh, voilà. Bravo. Oh, ouais. Bravo. Oh, bravo. Bien joué là. Bien. Allez, il a effacé. Allez, Kevin. Par la même occasion. Première frappe manquée, on voit le geste, ouais. Allez. La joie, les bras grands ouverts. Allez, Kevin. Il aurait voulu faire ça à la première. Et puis après, en faire un autre à la deuxième. C'est certain. Mais quand il comprendra que c'est pas possible, il va devenir encore plus fort. Oh, c'est derrière pour Kevin Malbec. Aïe, 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 aïe. Trop compliqué, la seconde moitié de match pour Kevin Malbec. Allez, c'est pas grave. Allez. Bon, faut dire qu'il était parti allez, tellement... Si la tire la main un peu plus bas, c'est trop dur. Ou le bouchon, il peut faire la même chose que... Que Mickaël Bonneto. Ah, ce serait. Ah, pour le suspense, ce serait parfait. Hein. S'il lui rendait son carreau sur la seconde, là. Ah, Kev. Ah, c'est quand même. Je n'ose imaginer là, l'ambiance dans les, dans les tribunes. Si vous saviez, comme je suis content d'être assis à commenter, plutôt que. Il y a quelques années en arrière, d'être là-bas au milieu. Bien tiré. Ah, bon, sortir bien, les bien, deux. Bien. Alors, bien, mon elle est sortie. C'est ma première, ouais. C'est mieux. On va devoir rejouer. Il faut essayer de venir près, il faut faire tirer maintenant. Ouais, voilà. Les terrains ne sont pas faciles, on a vu à tirer. Allez, mais Cabonetto en plus à jouer ses deux boules. Donc, potentiellement derrière ça, ça sera Christian Fasino. Bon, vous me direz. Voilà. La qualité de tir, bon, ben, à 12 à 12, allez, c'est pas, à 12 à 12, c'est pas rassurant hein, quand on joue contre Christian Fasino. Non, 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 il faut. À limite, voilà. Commencer, il faudrait arriver à faire tirer. Après, voilà. Dans l'absolu, de toute façon, il faut essayer quand même de faire tirer parce qu'on ne sait jamais. Voilà, il peut y avoir une casquette, il peut y avoir une boule tirée un peu devant qui saute, mais. C'est ça. Aïe, 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 aïe. Celui-là, il est moyen. Elle est partie un peu sur le côté. Allez, fais simplement la reprise. Allez, David. Allez, mon David. Il faut que je fasse carreau la deuxième. Allez, David, tout simplement, tu essayes de le gagner. Allez, tu fais juste la prise, c'est bien. Allez, allez, mon David, cousin. Allez, papa. Gagne-le. Bravo, bien. C'est fait. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait côté jaune? On tire la boule ou on tire au but? C'est par contre, on tire en la boule. Je sais pas ce que tu vas faire en tirant la boule. Donc il pense que donc, nous, il est un petit peu l'opposé du jeu. Là, donc il a le point de Ludo Montoro ne doit pas être bon. Le problème, c'est que tu tapes double et ils ont... Ça vaut rien. Allez, fais-nous un petit coup d'exploit. Tu tapes double et tu laisses double la question. La seule et l'unique chance. Allez, un petit coup. Allez, essaye. Allez. D'aller briser ce petit bout de bois. Aïe, 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 aïe. Quelle pression sur les épaules. Ouf. L'issue de cette finale. Ouf. On va certainement se jouer là-dessus. Allez, fais-nous. Allez, fais-nous jouer encore. Est-ce qu'on part pour allez, fais-nous une 17ème main. Ah, la réponse, c'est dans une poignée de 2 secondes. Aïe, 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 aïe. Un poil court. Ah ouais.
Je sais pas, on n'est pas dans l'axe, donc je sais pas si c'est tout à fait droit ouais, ou pas. Je suis pas persuadé qu'il était totalement droit, peut-être légèrement à gauche quand même. Ah non, 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 oh, il vibre, hein, il est bien. Enfin, il l'a effleuré. Ah, ouais, il l'a effleuré. Hein. Ah, je veux tirer. Ah, oh, il est bien droit. Hein. D'abord, en plus, le bouchon, il me semble qu'il a bougé un peu, donc peut-être il faudrait penser à le marquer. Il est en bouchon, même si tu. Tu tires la boule. Et s'il fait carreau. Complètement dingue. Complètement dingue. Il n'y a qu'un moyen de s'en sortir, c'est tirer et faire pile à côté du bouchon. Ça fera jouer des boules. En pointant, il est mort parce que déjà pour le gagner, c'est difficile. Et puis après, il faut espérer que ça manque triple en face. Donc ça, on voit bien comment ça peut arriver. S'il vous plaît, c'est ma faute. Pas ta faute. Si on a fait une sortie, on a fait bouger. Ah, parce que. Là, c'est cool. Ah, non, c'est manqué. Ah, ouais. Cette finale qui se termine avec le sourire de Christian Fazilo, David Riviera qui va enlever pour la première fois ses Masters, tout comme Jérémy Fernandez, et puis Annika Bonetto qui va conserver donc son titre acquis il y a deux ans en compagnie notamment de Ludo Montoro et de Christophe Sario. Ouais, l'histoire est cruelle là, ça se croise hein, les histoires. Et c'est lui maintenant qui sera en route pour un triplé. Eh oui.